a beaucoup de chance d'être ici. Ce lieu est incroyable. Donc aujourd'hui... Non, arrête, j'ai sa gueule. Regardez comme elle est moche. Dégage. La mère de Martha va venir garder les petites pendant quelques jours. Elles s'entendent super bien, elles ont un super feeling. Et nous, on va aller profiter un peu au soleil. Ça fait vraiment longtemps. Pour le dentifrice, j'ai soit version trop grande ou soit version trop petite. Voulez-vous voir à quoi ressemble ma trousse de toilette? Yes. Et voilà, ma petite valise est prête. N'oubliez pas que je jouerai à Nantes le 13 mars à partir... Ah, je rigole, putain. Une note sur 20 tout de suite? 12 sur 20. Pourquoi? Parce que l'important, c'est de participer. Très bien, je te quitte. Retour ce que vient de me dire Martha à l'instant. Elle m'a dit font une photo à la fenêtre de l'avion et regardez ce qu'il y a à la fenêtre. En fait, on est sur le parking. Donc c'est vraiment la pire photo, la pire idée. Excuse-toi auprès des viewers. On est en pleine période du coronavirus et en fait, ils vont prendre une température. Je vais vous montrer, c'est un truc de ouf pour voir si on n'est pas en fait malade. Alors c'est assez impressionnant parce qu'à l'aéroport, tout le monde porte des masques comme ça de protection. Évidemment, voilà, tout le monde a peur du coronavirus et tout. Et j'avais jamais vu autant de gens dans un lieu comme ça public porter des masques et c'est assez effrayant. On dirait vraiment un film de science-fiction. On dirait le film Contagion, mais en vrai quoi. Piccolo ça veut dire petit et en fait en musique, je sais pas si vous le savez, petit instant culturel, le vocabulaire est italien. Mezzo forte, piano, crescendo, l'accent est nul hein, mais bon. Et je réalise que tout le monde s'en fout de ce que je raconte, bon bah voilà. Hein. On est ici à Milan pour assister à la Fashion Week. On a été invité par Jean-Charles de Castelbajac de la marque Benetton. Et voilà, donc moi j'ai, rien à voir avec le monde de la mode, hein, clairement. Mais par contre, je suis hyper curieux. On a envie de voir ressembler un petit peu à une Fashion Week. Surtout ici à Milan, vraiment, des gros fans de l'Italie. Le défilé se passe sur un skatepark en fait. Qui est recoloré aux couleurs de la marque. Attention, 3-6 flip dans 3, 2, 1. Oh, c'était très moyen. Et le défilé commence dans quelques minutes. Let's go. Ce mec est culte. Tout le monde applaudit, c'est déjà fini. Ça a duré 8 minutes, peut-être même 5 minutes. C'est la durée d'un défilé en fait. Bienvenue sur le photocall. Ils m'ont vraiment proposé ces lunettes en fait. Bon bah voilà, j'ai accepté quoi. On quitte déjà Milan, nouvel avion, nouvelle destination, on va à Oman. C'est génial parce que le logo de la compagnie aérienne, c'est une chèvre quoi. Est-ce que c'est pas mignon ça? On regarde le même film en ayant synchronisé la même seconde. Super chou, non? Cette femme ne réagit jamais à tout ce que je dis. Mon charisme est de 0,1. Bon, là, il fait nuit. Et là, il fait jour. Ça n'a aucun putain de sens. J'ai envie de filmer les premières secondes à l'extérieur de l'avion pour voir si vraiment on sent la chaleur. Il paraît qu'il fait 25 degrés. Oh là là! La chaleur envahit mes mollets peu à peu. C'est à la fois humide et sec. Impossible. Ah! Bon, moi, c'est clairement une écriture arabique. Hein. Qui comprend ici? Bon, hôtel incroyablissime. Réaction en direct quand on arrive dans ce lieu. Oh putain! Le truc est une cathédrale. Oh là là, mais ça fait 100 mètres de hauteur. Bon, bah on vient d'arriver à l'hôtel. Miss Catastrophe a déjà fait une première connerie. Elle téléphonait ici, elle a glissé par terre. Elle s'est littéralement viandée et claqué la gueule contre le sol en marbre. Ça va, t'es encore en vie? On montre le bleu un peu. Bon, il y a rien du tout en fait. C'est enflé. Le mensonge. C'est enflé, ça se voit. Je fais un bisou magique. En fait, moi j'ai envie de manger plein de sucre. Le mec est extrêmement chelou, la caméra. Non mais clairement je meurs de faim en fait. J'ai fait un cheat meal tout à l'heure dans un restaurant somptueux. Petite corde à linge spéciale viande au KLM. Désormais j'ai envie de manger la terre entière. Regardez, ma couvade est en train de revenir. Pourquoi à chaque fois que je vais dans un pays étranger, je suis habillé comme un bon vieux touriste hollandais? Mon corps est vraiment pas fait pour passer inaperçu. Donc, tout le monde voit que je suis un gros touriste de merde. Oh le petit déj de rêve. Putain à la maison c'est vraiment c'est un vieux café et un biscuit. Merci, c'est moi qui cuisine, c'est sympa. Oh putain. La Bretagne. Oman.
C'est moi ou c'est des chameaux là-bas au loin là? On va aller voir les chameaux mon pote. Déjà c'est pas des chameaux, c'est des dromadaires. Et lui il est tout petit, il est tout mignon, le bébé dromadaire. Oh le petit pote. Y a pas de maître dromadaire avec eux, y a pas de tuteur légal de dromadaire. Ils sont là normal quoi. Pour la vidéo je pourrais dire qu'elle est chaude, mais en vrai elle est normale, voire un petit peu froide. Bon, bah écoute Thibaut c'est mon nouveau coach de sport officiel. Allez voir ma dernière vidéo pour mieux comprendre. Donc là je vais à la salle de sport. Bon Thibaut, t'as su trouver les mots pour me motiver. Donc chose promise, chose due. Regarde où je suis. À la salle de sport mon pote. Et je suis pas là pour enfiler des perles. On a mangé un petit buffet, on est trop quota. Moi j'ai bien mangé moi. En fait à la base on est venu, on sortait d'un régime tous les deux, on a perdu tous les deux près de 7 kilos. On a pris notre régime. Et on l'a vraiment mis dans une poubelle, puis à la déchetterie. Il y a un très gentil monsieur qui a voulu prendre une photo de nous. Et on a dit non, il a insisté. On a accepté. Regardez à quelle distance on est de l'iPhone. C'est assez culte. C'est génial. C'est le turfu. Oh putain, j'adore. Alors pour ceux qui connaissent pas le sultanat d'Oman, petit cours de rattrapage. Quel style je connais? Alors en fait, je me suis renseigné il y a 3 jours. Je connaissais pas du tout avant. Le sultanat d'Oman, et bien, c'est une sorte de royaume qui s'appelle un sultanat, quoi. Donc c'est un royaume avec un sultan, quoi. Qui est situé entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. On est à 5 heures à peu près de Dubaï en voiture. Donc voilà, la capitale d'Oman, c'est Muscat. Donc là les petits potes, petit shooting en fait, on est en train de prendre des photos, des t-shirts qu'on a conçus pour la tournée de mon spectacle. Ce sont des t-shirts collector, l'édition limitée quoi. Et on profite du cadre en fait d'Oman pour faire des petites photos plutôt sur mon Insta. On mêle l'utile à l'agréable. Hein Martin ? Alors là on va visiter le souk d'Oman qui est très réputé. Au cœur du souk, regardez-moi ces épices, cette ambiance, c'est une ambiance en fait avant tout. Le nombre d'objets qu'il y a ici, c'est un truc de ouf quoi. On est dans une boutique au cœur du souk, en fait c'est des millions de petits objets comme ça, à la fois des trucs voilà, touristiques et aussi des petits objets de brocante un peu vieux, un peu... On peut employer le mot chiné, je pense qu'on peut employer le mot chiné quand on vient acheter des trucs ici. Les lampes d'Aladin évidemment. Moi j'ai envie de me prendre un petit couteau de sultan, symbole en fait d'un pays, d'un peuple. Assassin's Creed. You will speak there with me and you. You take picture, yeah. Okay. Do you know who I am? No. Putain, la banque HSBC, ça a balayé quoi. Tu peux pas aller là-bas et faire oui, bonjour, ce serait pour ouvrir un livret A s'il vous plaît et retirer 20 euros. Alors la monnaie locale, c'est petit quiz. Tu vois. Le rial. Oui, c'est des rials. The un rial équivaut à combien d'euros dedans? Approximativement 3 euros. Oman Avenue Mall. Bon, on était obligé, hein. On est dans un mall, c'est-à-dire un énorme centre commercial. C'est assez typique ici, il y en a plein. En fait, nous, on est hyper consumériste, ultra capitaliste. C'est une passion, c'est ce second degré. Hein. Oh, on dirait un peu au champ pour l'instant. Ouais, comme prévu, c'est assez géant, hein, on s'y perd. Alors, c'est quoi l'objectif de notre shopping, là? Tu sauver des lunettes au clé pour ressembler à ton idole, Justin Bieber. Alors, elle vend le truc très mal, mais en effet, Justin Bieber a des lunettes au clé. Et ouais, j'aime bien, ouais. Et alors, y'a un problème? Alors, comme on est influenceur, ça aussi, c'est du second degré, hein. Attention, faut pas prendre ça au pied de la lettre. On rigole avec ça, justement. On est très attiré par ce genre de choses. Regardez-moi ça, on dirait un endroit fait spécialement pour attirer les influenceurs. Oh, le petit train-train qui passe! Le mec n'avait pas l'air de triper avec moi, en tout cas. J'ai fait ma connerie, je suis allé acheter mes lunettes à Oakley comme Justin Bieber. Ouais, je suis ultra influençable, j'ai eu un achat compulsif. Alors, j'ai commandé ceci, la fiche était des sortes d'œufs de dragon avec de la lave dedans. C'est d'art, et autour c'est de la croûte sans goût en fait. C'est un drôle de délire, hein. Très bizarre Burger King, mais bon c'est marrant. Donc là on va aller faire de l'escalade et j'ai une prémonition en fait. Je sais que Martha va être chiante, je sais pas encore pour quelle raison. Si c'est pour un ongle cassé, si c'est un mal de ventre, tout d'un coup je fais de l'asthme. En fait si tu veux à la base l'escalade c'est une passion. Moi tous les matins je recherche le grand frisson, je me réveille et bah voilà quoi, je traverse la planète pour aller chercher la montagne à grimper. Là clairement ce qu'on va faire c'est une perf. J'ai pas du tout envie de le faire. Donc ce matin on devait faire activité escalade, donc on s'est équipé et tout. Et en fait au dernier moment je me suis dégonflé. Ok les amis, on est en pleine session escalade. On m'a dit que c'était niveau 1.
Bah, niveau 1, tout de suite, on est à 1 milliard de kilomètres dans le vide, en fait. Stress au max. Mais bon, après, moi, je suis hyper courageux. Let's go. En fait, tu te réveilles le matin et là, tu admires le paysage le plus somptueux de toute la planète. Bon, on est pas mal, hein? Yes! Alors le mec là, il part en randonnée comme s'il allait bosser au taf le matin, quoi. La tenue casual, quoi. On est parti pour 3 heures de trek autour de des petits villages et tout pour découvrir un petit peu le pays. Alors, trek, c'est exactement comme randonnée, mais c'est plus stylé de dire trek. Ça fait moins retraité. Et puis seulement après 5 minutes de trek, donc, normal, ma fille est pas capable. Parce que moi, en fait, j'ai un problème de dos à la base. Pourquoi tu l'as dit? Faut pas oublier qu'ici on est à 2000 mètres d'altitude, donc forcément il y a moins d'oxygène, parce que c'est plus dur. Nono, si on devait résumer ce voyage, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que c'était un voyage excellent, avec une personne excellente. Je parle de Mohamed Gafkoud Masmeik. Très enrichissant, on a appris plein de trucs. Et sinon, tu sais quoi, les Arabes en fait sont grave sympas. Et ça, c'est une plaisanterie au second degré. Coupé.